Et puis comme tu dis tout qui paraît dans la division nouvelliste matin, le passeport élément manquant pour les Haïtiens de la diaspora, l'hypothèse signature France Duval et toujours Junior Célestin. Dans une story postée sur son compte Instagram ce mercredi, la superstar Wyclef Jean a présenté son passeport haïtien qui n'a plus de page valide et annonce qu'il va aller le renouveler dans l'une des missions d'Haïti aux États-Unis d'Amérique. Wyclef risque de venir s'additionner aux dizaines de milliers de compatriotes qui attendent depuis des mois la livraison du fameux livret. Selon les informations obtenues par le Nouvelliste, près de 100 000 compatriotes qui ont rempli toutes les formalités administratives et payé les frais réclamés attendent leur passeport, certains depuis 2 ans. Ces dernières semaines, des vidéos ont circulé où on peut voir des compatriotes manifester dans des consulats et menacer de s'y installer. Les pauvres agents consulaires n'ont aucune solution à proposer aux plaignants. Les passeports attendus ne viennent pas. Mis à part la France qui peut livrer dans un délai raisonnable les passeports à ceux qui en font la demande, aucun autre pays de la diaspora ne peut donner la garantie à quelle date un passeport payé sera livré. La raison est simple. Depuis le scandale qui avait secoué l'ambassade d'Haïti à Washington et provoqué la révocation de nombreux employés du service des passeports, il y a un grand ralentissement au service. Jusqu'à date, un an plus tard, les employés révoqués ne sont pas remplacés. Les consulats continuent de recevoir des demandes de passeports et d'encaisser les frais, mais les livrets sont livrés au compte-gouttes. Alors que les questions d'immigration animent le débat politique dans les principaux pays d'immigration des Haïtiens, voilà que les autorités de leur pays les jettent dans l'illégalité à cause de difficultés et de raisons que la raison ignore. Le passeport est l'élément manquant pour les Haïtiens de la diaspora. Il y a urgence d'y remédier. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat. Bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, Monsieur Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Livette, Docteur Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous très contents avec nous matin. Nous bien contents avec vous tous, FD, merci pour ce disponible pour l'écriptage éditorial qui nous livre aujourd'hui ce matin. Wyclef Jean, un haïtien qui est connu, un haïtien qui est connu sous la terre, des problèmes passeport. Oui, il a montré nos stories, il a posté sur Instagram, sur compte Instagram, ni que pas j'ai fini, n'a pas passeport par là. Mais il a dit, il va faire un passeport. Mais là, elle lance un message comme ça, c'est parce qu'elle connaît qu'il y a une difficulté pour jouer un passeport. Là, il a additionné, il y a aux dizaines de milliers, monsieur Alphonse, compatriote, capitaine depuis des mois, la livraison du fameux livret. Et là, on met des gens qui parlent à le faire parce que pour qu'on ait besoin ni, peut-être nous sommes 200, 300 000 Haïtiens qui besoin de passeport à l'étranger, qui parlent un passeport et qui n'ont pas qu'à avoir un passeport. Maintenant, depuis 2 ans, il y a Haïtiens capitaine et nous gagnons des chiffres, nous jouons dans la nouvelle liste par rapport à l'île d'Azotla. Près de 100 000 personnes payées déjà, ils ont rempli toute formalité, ils n'ont pas recevoir un passeport. Bon, compatriotes, ils n'ont pas de bouche bée. Bon, gagne que t'allais faire siège certains consulats, gagne que t'allais faire grève dans certains consulats, gagne que t'installer dans certains consulats que dit pas sortir tout le temps que pas bail passeport. Sacrété pour faire ça. Ou ça était fait dans certaines banques mais ça Alphonse les pas le dollar t'es chaud. On change. Mon qui était déshabillé puis que t'es foncé de besoin. Mais sacrété pour passer dans consulat yo parce que mon yo souvent sorti très loin parce que ça n'oublier dans haïtien qui a demandé passeport. Haïtien, l'elvin nan consulat ou bien nan ambassade côté au café passeport pour l'IA, l'Igan doit sortir à des milliers de kilomètres pour l'vin réclamer, alors même pas réclamer, pour l'vin demander tout simplement ballon passeport. Dans tout pays, passeport a son formalité, d'accord, dit simple, ou rempli, formulaire pour rempli, ou faire photo, ou faire empreinte, ou payer, ou aller. Yo dis madame, monsieur, dans 10 jours, dans 15 jours, non moins, on va recevoir. C'est ça le principe là. Et bien, il se trouve que dans la situation Haïti pour toute diaspora, sauf en France, pas de date, pas de jour, pas de délai pour avoir passeport. On dit sauf en France. Oui, en France, yo te gata installe un système automatique qui fait que la France a fait passeport plus vite.
Maintenant, là, mon problème est depuis le scandale qui était pété dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Oui, on a évoqué quasiment tout le monde qui était dans le service passeport. Et il y a l'autre qui est trop temps aux États-Unis parce qu'on est lorsqu'on emploie un consulaire, ou un nombre de temps, lorsqu'on est diplomate, ou un nombre de temps pour être dans le poste. Dans le pays d'accueil, là, M. Alphonse. Il y a un pays qui n'est pas occupé, oui, mais il y a un pays qui est un moment privé. Il dit, oh, qui a M. fait 10 ans là, 5 ans là, 4 ans là? Mais c'est ça qui est arrivé, nous avons perdu une deuxième partie de personnel là à cause de ça. Et bien, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens remplacés, ça fait plus qu'un an. Je suppose qu'on songe à ça, M. Alphonse. Oui, je songe au scandale là, je songe à ce que tout est fait avec Haïtien qui Saint-Domingue, Haïtien de l'autre côté qui a plein pour question de passeport depuis plusieurs mois. Ou avec les placés aux États-Unis, mais au monde qui est Chili. Il y a un monde Chili, M. Alphonse, qui presque a deux ans et demi à obtenir un passeport. Oui, mais Saint-Domingue, tout. Bon, Saint-Domingue, même, il y a 5, 10 ans. Parce que Saint-Domingue, non, Haïti pas jamais qu'à mettre de voile au propre dans le passeport, Haïtien besoin de passeport. Et, excusez-moi, agent consulaire, c'est-à-dire, monde qui faut remplir formalité, qui touche comme là dans le monde, il est totalement démuni, puisqu'il va qu'avoir date. Et oui. C'est l'ouvrir à chaque fois. Parce que jouer en pile. Ouais. Bon, maintenant, et question immigration là, vous soulignez que la pandémie, le débat politique, est le principal pays que vous avez. Alphonse, tout le temps des nouvelles dans les gros médias. Quel que soit le pays d'accueil, nous, que le Saint-Domingue, que les États-Unis, que la France, que l'autre côté en Europe, que dans notre pays Amérique latine, question migratoire là, sont questions politiques majeures. Quasiment, qu'on levé campé qu'a fait là pour l'extrême droite prendre pouvoir dans tout pays, ça n'a pas dit là. Yo. Et premier projet extrême droite là, c'est mettre les migrants dehors. Et si en plus Haïti mettait population par là, diaspora par là, en situation d'irrégularité, d'illégalité, ben Haïti qui est responsable mal arrivé. Yo. Eh bien, clair, oui, là. Pas de bagaille, non, là, par rapport à ce qui est pendu sous tête. Le passeport est l'élément manquant pour les Haïtiens de la diaspora. Il y a urgence de remédier. Vous dites urgence, FD, urgence. Oui, monsieur Alphonse, que tu vas traîner comme ça. Tu vas traîner, non? Là, que chef le chef va mon passeport. Là, c'est qui ministère qui occupe de ça? Et ministère des Affaires étrangères, ministère intérieur. Bon, on espère, vous entendez? Immigration, c'est ministère intérieur. Et consulat, ambassadeur, c'est Affaires étrangères. Bon, parole, ça va date mon nom à parler. Va date mon nom à parler. Bon, en tout cas, M. Alphonse, maintenant, on nous porte le devant peuple là. Parce que ça suffit. Abraham dit c'est assez. Oui, parce que je m'en dis là, mon côté. Bah, yo là, mon yo, depuis Migon, yo, comme si m'a dit, yo, dou. Bon, bref, ou pas besoin de gaps sous clou, nous, pour payer ou pas qu'à bon passeport. Définitivement. Sacré dans le journal, là, s'il vous plaît. Installation du nouveau gouvernement, Gary Kony appelle à l'unité pour mettre des réformes et de la sécurité. Avec une photo, même cabinet, même CPTO, qui était faite devant Villa d'accueil. L'escalier Villa d'accueil, là, hier. Discours d'investiture du Premier ministre Gary Kony. Nous venons poster pour l'histoire, pour que nous connaissions qui est le Premier ministre pour maintenant. Qui est Dominique Dupuis, la ministre des Affaires étrangères, des cultes et des Haïtiens vivant à l'étranger? Qui est Carlos Hercule, le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique? Nous venons continuer à faire portrait, ministre. Et ministre, nous jouons un CV, parce que nous avons un CV, nous ne pouvons pas faire un portrait, M. Alphonse. Vous comprenez, nous allons faire un portrait pour nous. Jean-François? Oui, m'entendez. Parce que ça pas très bon. La communauté internationale salue l'installation du nouveau gouvernement haïtien. 29 ans pour la police nationale d'Haïti. Des policiers insatisfaits de leurs conditions de travail. C'est un sondage que RNDDH fait. Il constate que 95% des policiers n'ont pas satisfait de conditions de travail. Que c'est équipement n'ont pas gagné, que c'est touché ou pas touché à l'heure. Que c'est comme prime régulièrement, que ces cicatrices-là vont alimenter assez rapidement. Haïti, la santé est-elle en mode de pilotage automatique? Ça fait quelque temps là, la santé a pris un coup.
Et le Premier ministre a découvert ça pendant le malade là, mais monsieur Alphonse songe que nous article que dans nouvelle liste dans la région métropolitaine, nous avons presque une quarantaine de centres de santé et d'hôpitaux qui ferment, boulés, pillés, vandalisés. Et par les personnes qui disent rien, parce que le ministre de la Santé sortant, t'es malade, t'es pas présent, et le ministère de la Santé publique, par exemple, d'un mot, M. Alphonse. Le ministère a des besoins de santé, lui-même. Le ministère a des besoins bon docteur. Par contre, c'est là, mais il y a un travail qui peut faire. Et ça va pas dans une zone qui perd du haut, que c'est dans une zone qui marche toujours. De la nécessité de reprendre l'exportation des mangues depuis Haïti, ça c'est, on n'était pas là avec agronome Volny Poltre. Et puis, dernière nouvelle là, Haïti est élu au comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Ces derniers faits d'armes, ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO, Dominique Dupuis, ces derniers faits d'armes, né avant le devine ministre des Affaires étrangères, des cultes et des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est Mme Soujou, moi, M. Alphonse, qui vient de ministre des Affaires étrangères. Oui, 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 c'est ça, nous, c'est ça, nous. J'espère que tu as match hier soir, M. Alphonse. C'est gardé, m'garder sur téléphone, moi, moi, États-Unis, Brésil, et là, et puis, me fait quoi, les mêmes, me cherche gardé, non? Ah, M. Alphonse, vous position d'un bâtiment. Non, États-Unis, comme Maïté, pour 5 ans, non, depuis nouvelle là, pas bon pour vous, pas tout elle. Non, pas de garder, vraiment, pas de garder. Bon, femme aux États-Unis, t'es un bon gardien qui sauve lui. Tout comme gardien Brésil l'a sauvé Brésil, tout, mais pas États-Unis, vraiment, hier soir, t'es exemplaire. Et États-Unis jouait tête à tête, tec-tec, tec-en-tec avec Brésil. Et pour le moment, on clébe dans Brésil. Mais on se connaît, M. Alphonse. Comment l'élé? On clébe avec les vicinis. Oh! M. Alphonse, depuis la Brésil. Gardez qui je clébe ces jours, moi, monsieur. La vie. La vie, Babdou. La vie, Babdou. Clébe jour, moi, Gounia. Monsieur. Respect pour toi. Soudain, inventez-le pour moi, M. Alphonse. Merci beaucoup, monsieur. C'est toi qui fais pour Brésil depuis la vie, pour Brésil, lui. Eh bien, bon, on attend un d'accord. Bon, ok, on m'a dit le Kléber, mais c'est le mérite de Kléber, on attend. C'est une distinction, Kléber. Bon. On va le prier pour lui, M. Alphonse, pour le faire mieux dans le Copa América, parce qu'on a besoin de jouer joueurs qui font. Oui, bon, j'espère ça. Bien que m'boukouel en patron, m'boukouel te connaît, il m'a été pour l'équipe la mettre sur le dos. Non, c'est pas la même situation du tout. Femme du Brésil, m'gade deux matchs Brésil, qui par équipe moi, m'gade équipe qui a vu le bel football. Bon, pourquoi une équipe, et surtout, pas un patron, ni en défense, ni dans le milieu de terrain. Non, l'équipe n'a pas encore d'identité de jeu. Pour attaquer, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, faut que vous avez distribué. Oui. Son chantier brésilien, beaucoup gagné. Non, mais surtout, derrière, vous équipe jouait banal, M. Alphonse. Oui, bon, vous pouvez construire avec, bon, Militao dans Chania là, et il y a l'autre petit homme qui n'a Juventus là. Bon, on m'y tente rien. Pour le moment, M. Alphonse, se comporter en joueur banal. Bon, où qu'a dit ça? L'on considère ça, ça un joueur qui arrive dans le Sahara, qu'on y est dans le football là. D'accord. Merci. Je suis bien content. C'est dans autant de l'air, mon honnête qui j'en parle. Entendez, oui. Bon, on est que les Patrick Saint-Pré, tout ça, elle va le nouvel là, moi. Un problème. Bonne journée, M. Alphonse. Bonne journée, M. Alphonse.